Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une petite vidéo et puis comme ça, on regarde ensemble le message que je peux vous faire passer. On y va. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui prend trop de temps à arriver. Il y a quelque chose qui prend trop de temps à se faire. On a eu des petits différends avec un ami, quelqu'un qu'on considère beaucoup. Mais depuis ce petit différend-là, depuis ce petit problème, cette petite embrouille, on ne se sent pas bien. On espère retrouver cette personne, on espère arranger les choses avec cette personne. Mais cette personne, elle nous fuit. On lui a fait une proposition à cette personne. Mais elle a fui. Elle ne nous donne pas de nouvelles. Elle a refusé notre proposition. Depuis, on n'a plus de nouvelles de notre ami. Et ça nous travaille parce que c'est vraiment quelqu'un à qui on peut se confier, c'est vraiment quelqu'un de confiance, c'est vraiment quelqu'un qu'on apprécie, mais n'a pas de nouvelles et on sait que cet ami-là n'est pas trop d'accord avec nous ces temps-ci. On se dit que cet ami, ben, a plus envie de nous voir. Cet ami n'a plus envie de nous parler. C'est bizarre. C'est bizarre parce que c'est notre ami, mais on a des sentiments pour cet ami. On l'aime. Voilà. Plus que de l'amitié à ce moment-là. Mais cette personne vous considère comme un ami, comme une amie. Donc cet homme ou cette femme-là, ben, n'arrête pas de penser à vous, très cher ami. Pourtant, on est amis.
J'ai attrapé une petite embrouille. Normalement, on est censé se réconcilier très vite. Mais moi, je n'ose pas revenir vers toi parce que je t'aime aussi, tu vois? Mais est-ce que mon ami n'a pas quelqu'un d'autre ou est-ce que mon ami n'a pas des vues sur quelqu'un d'autre? Ça lui casse la tête, hein? Me casse la tête parce que je n'ai pas de tes nouvelles, du coup je suis perdue. On est amis, mais je t'aime et toi tu ne donnes pas de nouvelles, je suis sûre que tu es en colère. Donc moi je suis mal. Bizarre. On peut pas lui dire à cette amie qu'on l'aime parce qu'on est en couple. Ça nous rend malade, hein? Mais on ne peut pas lui dire, même si on a envie de lui dire, même si on a envie de changer la situation, mais c'est notre ami, c'est mon ami, tu vois. C'est un peu bizarre quand même. Cette personne, elle vous voyait vraiment comme un ami, comme une amie. Elle n'avait pas prévu de vous aimer. Après, ça se prévoit pas. C'est compliqué. Pourtant, c'est notre ami, hein. On ne lui dit rien, on reste de notre coin, parce que peut-être que vous, vous êtes en couple, ou que c'est l'autre qui est en couple. Mais il y a un truc. Parce que cette personne, même si elle vous voit comme un ami ou comme une amie, elle aurait bien aimé avoir sa chance. Hein? Hein? Ouais. Elle aurait vraiment aimé avoir sa chance. Elle sait que ça sera une belle relation, elle sait que ça sera quelque chose de vivant, ça sera quelque chose où on pourra tout se dire. Ou... Mais t'es quand même mon ami, quoi. Donc du coup, ça me perturbe. Mais oui. Du coup, on est incapable de lui dire à cet ami ben, qu'on l'aime, qu'on a envie de quelque chose, parce que en fait, on n'a pas envie de la perdre, cette personne. On n'a pas envie de la perdre. Personne, elle n'a juste pas envie de vous perdre en fait.
Parce que si ça fonctionne pas, ben vous serez plus amis, hein. Et elle ne veut pas vous perdre. Je peux pas t'aimer parce que j'ai pas envie de te perdre. D'habitude, quand on se dispute, on se réconcilie toujours très vite après. Mais là, c'est pas la même. Là, mon ami ne donne plus de nouvelles. Et du coup, ça déprime. Hein. On est déprimé. Pas vous mentir, là, on est déprimé. Tout notre entourage voit qu'on est déprimé. Tout notre entourage voit ben, qu'on n'est pas bien depuis qu'on a perdu cet ami. Tout le monde voit, hein. Tout le monde voit qu'on fait comme si de rien n'était, mais au fond, tout le monde sait. Hein. Un jour on est bien, un jour on n'est pas bien. C'était notre ami, quoi. Que répéter ça à l'autre. Du coup, on ne sait pas quoi faire. On est perdu. On est en dépression. On est déprimé, vraiment. On a perdu notre ami. On est en train de perdre des plumes, là. On ne peut plus. On ne sait pas. On ne sait pas si on doit l'aimer ou si on doit rester amis, vous voyez? Ça donne mal au crâne, hein? Elle est déprimée, cette personne. Elle n'arrête pas d'y penser en plus. Elle n'arrête pas d'y penser. Bon. Maintenant que vous savez, moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine. Salut!